Bonjour les amis, voici la réunion du matin de jeudi avec Mademoiselle Schmidt. Chantez avec moi pour dire bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis contente d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Bonjour, 3, 2, 1. Bonjour, bonjour, buenos dias, buenos dias. Konnichiwa, konnichiwa, et hola, mes amis. Ni hao, ni hao, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Salam alaikum, amusez-vous les amis. Et don't read like a robot. Noodle. Don't read like a robot. Let me tell you a little story, folks. So I was chilling in class, minding my biz, when my teacher, she calls on me. Uh-oh. She says, it's your turn to read aloud. Then like an icy Popeye, five, three. When I open my mouth to speak the words, my tongue is in her mouth. Do I read with expression? Not even close. I sound like a robot. Did you know that tigers have striped skin, not just striped fur? And my teacher said, flip a switch and do it like this. Did you know that tigers have striped skin and not just striped fur? Did you know that tigers have striped skin and not just striped fur? You gotta read with expression. Okay? Read with expression. I gotta read with expression. I'ma do it. Read like a robot. Come on. Next day, I was lounging in my room, and my mom knocked right on my door. She said, you got a letter from Gramps. He's with Gramps in El Salvador. Oh, really? I went to read the letter to myself, but my mom opened up her lips. She said, why not read the letter out loud? I want to hear about their trip. Aw, man. Hello, Sonny. We're having a blast. Grandma and I went skydiving. And my mom said, flip a switch and read like this. Hello, Sonny, we're having a blast. Grandma and I went skydiving. Hello, Sonny, we're having a blast. Grandma and I went skydiving. Gotta read with expression. Read with expression. Gotta read with expression. Don't read like a robot. At school the next day, I tried out for the play and I really wanted the main part. Really, really. I practiced the lines over and over again. I was nervous, oh man, my heart. But when it was my turn on stage to read for the role, all the blood rushed to my head. Whoa! My tongue twisted up and knees started to shake. You couldn't hear a word I said. I'm sitting on a tech. I'm sitting on a tech. I'll help you sitting on a tech. Right. And my director said, flip a switch and read like this. I'm sitting on a tech. Read with expression. Read with expression. Read with expression. Don't read like a robot. Now when I read anything out loud, I do it with passion and flair. No more mumbly words and silly murmurs. I'm chill, not a crazy and scared. Chill. I used to read like a robot. That's true. But now I read with expression. Yo, that's my claim to fame. Go on. Gotta read with expression. Oh, yeah. I read with expression. Gotta read with expression. Ok, bien fait les amis. Pour nous calmer, on va faire la lune. La lune brille dans le ciel. Inspire par ton nez et fais un cercle avec tes bras en haut. Expire et baisse tes bras au sol. Respire comme la lune. Bien fait les lunes!
Les normes de l'été. Aujourd'hui, on va faire une voix de robot parce qu'on a fait Don't Read Like a Robot. 3, 2, 1. 1. Je suis gentil. Numéro 2. Je les autres. Numéro 3. Je prends soin de moi-même. Numéro 4. Je suis prudent. 5. Je fais de mon mieux. Et 6. Je m'amuse. Excellent, les robots! Alors, le message en 3, 2, 1. Bonjour les amis! Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est l'été! C'est le quatrième jour de la semaine. 1, 2, 3, 4. Quatrième! Qu'est-ce que tu aimes jouer? On peut aussi dire, qu'aimes-tu jouer? J'aime jouer avec les Magna Tiles. Et voici d'autres choses pour comment finir à jouer à un jeu. Alors là, on a terminé de jouer. Qu'est-ce qu'on dit? Fais bien jouer. Bien jouer. Bon jeu. Bon jeu. Je t'aurai la prochaine fois. Je t'aurai la prochaine fois. Ça, c'est au cas où que je perds. Mais la prochaine fois, je ne vais pas perdre. Est-ce qu'on peut jouer une autre fois? Est-ce qu'on peut jouer une autre fois? Ou on peut dire, plus court, encore une fois? Encore une fois? Alors, qu'est-ce qu'on dit à l'autre personne si on a fini un jeu? Deux réponses. Bien joué ou bon jeu? Encore une fois. Bien joué, bon jeu. Si j'ai perdu, qu'est-ce que je dis? Je t'aurai la prochaine fois. Je t'aurai la prochaine fois. Et si je veux jouer encore, je dis, est-ce qu'on peut jouer une autre fois? Est-ce qu'on peut jouer une autre fois? Ou encore une fois? Encore une fois? Tu peux le faire! Qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui? Et on va compter en 3 ou les 10. Alors, on saute sur place. 3, 2, 1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Continue! 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200! Et maintenant les 5 par 5. Comme ça va de côté en côté, on va sauter de côté à côté. 3, 2, 1, 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Et deux par deux. Si tu as un partenaire, tu peux taper comme ça. Moi, je suis toute seule. Alors, je vais taper mes mains comme ça. Cuisse, c'est pour les numéros, les nombres impairs, comme 1, 2, 3, 4, au cas où que je ne connais pas mes deux par deux. Mais, on va pratiquer ensemble. 3, 2, 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, mon petit lapin! On va être en haut. 3, 2, 1. Mon petit lapin s'est sauvé dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou.
remuant son nez, il se moque du fermier. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Frisant ses moustaches, le fermier passe et repasse, mais ne trouve rien du tout. Le lapin mange le chou, mais ne trouve rien du tout. Le lapin mange le chou. Très bien! Ouais, très bien pour nous les lapins, pas pour le fermier. Le lapin mange son chou. Le rock des dinosaures! Alors là, on est un groupe de rock, alors il faut décider ton instrument. Est-ce que tu vas chanter? Est-ce que tu vas jouer la guitare ou la guitare électrique? La batterie? Le triangle? Tambourine? Les maracas? Qu'est-ce que tu vas jouer? Piano? Moi, je vais jouer la guitare électrique, je pense. Le bass. Alors, 3, 2, 1. C'est le rock des dinosaures. 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 Ils sont grands, ils sont forts. C'est le rock des dinosaures. C'est une chose que j'adore. Oh oh, je me suis trompée. Ça a disparu. Oh! C'est le samedi soir, ils sont tous ici. Des pterodactyles noirs, des stégosaures gris. Voilà les grands herbivores. Le plus grand, c'est le brontosaure. C'est le rock des dinosaures. 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 Ils sont grands, ils sont forts. C'est le rock des dinosaures. C'est une chose que j'adore. L'orchestre commence à jouer. Triceratops sait bien chanter. Là-bas dansent les carnivores. Mais le plus terrible, c'est le tyrannosaure. C'est le rock des dinosaures. 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 Ils sont grands, ils sont forts. C'est le rock des dinosaures. C'est une chose que j'adore. Oh non, zut alors, est-ce que ça arrive encore? Les carnivores chassent les herbivores, que c'est fou! Le rock des dinosaures! C'est le rock des dinosaures, 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 ils sont grands, ils sont forts, c'est le rock des dinosaures, c'est une chose que j'adore! Excellent! Et là, on a fini. Alors, on chante à la maison. On a changé les paroles ici parce qu'on est déjà à la maison. Alors, je m'en vais, ça ne fonctionne plus. C'est je travaille. 3, 2, 1. À la maison, je travaille, au revoir, Mme Schmidt, au revoir, les amis. À la maison, je travaille, au revoir, Mme Schmidt, au revoir, les amis. Au revoir, au revoir, 3, 2, 1, au revoir, adios, adios, sayonara, sayonara, shalom, mes amis. Au revoir, au revoir, adios, adios, sayonara, sayonara, shalom, mes amis. Au revoir, les amis, et à la prochaine fois. Amusez-vous ce jeudi.